J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 3 juillet. Je dis bien 3 juillet, puisque dans le dernier vlog, j'ai dit qu'on était le 30 juillet, alors qu'on était juste le 30 juin. Mais c'est pas grave, voilà. Donc aujourd'hui, on est samedi 3 juillet. J'espère que vous allez bien. Nous, franchement, ça va. Aujourd'hui, c'est journée tranquille. Puisque on était censé aller au lac ce week-end, vous le savez, j'ai pas arrêté de vous en parler. On a même été chercher une bouée, il devait faire un temps magnifique. Voilà, bref. Alors je dis pas qu'il fait mauvais, hein, mais il fait hyper voilé, presque gris. Il pleut pas, il fait pas froid, mais il fait pas assez beau pour aller au lac et manger là-bas, etc. Donc du coup, le lac a été annulé hier. On s'en est douté un peu. Donc du coup, ce matin, on en a profité pour ne rien faire. Voilà, on s'est réveillé quand notre tête nous a dit il est l'heure. Voilà, il n'y a pas de réveil qui nous a réveillé, rien du tout. On prend notre temps tranquillement. Voilà. Aussi, nous sommes en mode réduit pendant, on va dire, à peu près une semaine et demie, puisque Raphaël est parti depuis. Alors que je vous dise pas de bêtises parce qu'en ce moment avec les jours je suis complètement décalée. Elle est partie depuis jeudi soir, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Depuis jeudi soir, elle est partie avec sa maman et ses sœurs en vacances. Voilà. Et on récupère tout le monde au 11-12. 11-12 ou 13. Non, pas 13, c'est sûr que c'est pas le 13. Entre le 11 et le 12 juillet. Voilà. Donc pour l'instant, nous ne sommes que Sarah, Roxane, Mathieu et moi à la maison. Voilà. Ce qui ne va pas durer très longtemps, sachant que là, on est déjà samedi et que samedi de la semaine prochaine, on va récupérer ma soeur Anani avec mon neveu Ilan, surnommé Tintin ou Mémine. Voilà. qui arrive samedi prochain à la maison. Donc, en gros, on est début de la semaine là. Entre nous et puis après les bonnes choses arrivent, j'ai envie de dire, parce que quand Nani arrive, ça veut dire que les vacances arrivent aussi. Donc ça c'est cool. Donc ne cherchez pas Raphaël cette semaine. Vous ne la verrez pas, bien que vous la voyez pas beaucoup dans les vlogs. Vous entendez parler ou je parle d'elle, mais vous ne la voyez pas ou très peu en image. Voilà. Mais alors là, vous la verrez encore moins puisqu'elle n'est pas là. Voilà. Du coup, je n'ai pas vlogué jeudi, je crois. Non. Si, c'est ça. J'ai pas vlogué jeudi. Parce que franchement, comme je vlog tous les jours depuis le 1er juin, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une petite journée tranquille, donc j'ai pas vlogué. Vendredi, c'est mon jour off, donc j'ai pas vlogué. Mais vous avez quand même eu samedi, donc soit aujourd'hui, vous avez eu quand même le haut l'action, donc en fait vous avez été une journée sans rien, voilà. Et moi pendant ces 2 jours où je n'ai pas vlogué, du coup j'ai pris un peu de temps pour moi, c'est-à-dire que j'ai fait mes ongles et aussi j'ai tourné 2 vidéos ASMR en avance parce que en fait on part en vacances le. Alors vous voyez, entre toutes les dates je me perds, on part en vacances le 15 juillet. Après, on revient qu'au 19 août, sachant qu'on revient un peu entre deux et tout ça. Bref, on part beaucoup. Et donc, du coup, je ne me voyais pas faire de l'ASMR, que ce soit dans le sud ou que ce soit au camping. Ça aurait été impossible. Donc, en fait, j'ai compté tous les samedis où on ne sera pas à la maison. Et du coup, j'ai 6, voire même 7 vidéos ASMR à tourner en avance pour qu'elles soient prêtes pendant les vacances. Donc là, j'en ai déjà tourné 2. Donc en fait, tous les jours, je tourne une vidéo ASMR. Et comme ça, elles seront déjà prêtes. Donc là, j'en ai déjà 2. Et je suis déjà bien contente. Moi, je vous le dis. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que j'en retourne une autre. Et ça m'en fera 3. Voilà. Donc du coup, en fait, je n'ai pas rien fait pendant que je n'ai pas vlogué. Puisque il fallait faire les vidéos ASMR, les tourner, les monter, etc. etc. Voilà. Et donc du coup, j'ai pris du temps pour moi pour faire mes petits ongles. J'ai même fait mes soins de peau. Mais franchement, en ce moment, c'est la cata. On recommence. Donc du coup, on a l'impression que j'ai rien fait, mais c'est pas grave. Voilà. Bref, c'est comme ça. Du coup, comme on ne va pas au lac, il faut quand même qu'on sorte parce que les filles elles ont envie de sortir. Sarah aussi, en même temps, ça paraît logique, c'est la fin de l'école.
elles ont besoin de sortir, voilà. Donc vu qu'on devait aller au lac et qu'on n'y va pas, il faut absolument qu'on passe à Gémeaux avec Mathieu parce que Sarah, ses maillots, ils sont trop petits. J'ai toujours pas eu le temps d'y aller puisque hier chez nous c'était le Tour de France. Voilà, il est passé juste là à côté. Et donc du coup c'était une pagaille pas possible pour sortir. D'ailleurs on n'est même pas sorti. Voilà. Donc du coup, faut que j'aille chercher son maillot de bain. Il faut que je passe à Jiffy parce que je m'étais acheté une boule anti-stress. Où on fait comme ça là. Pour justement les vidéos ASMR et elle a pété littéralement dans mes doigts dans la voiture. En fait, j'ai fait comme ça pour voir ce que ça faisait et ça a fait... Voilà, donc je vais leur ramener pour qu'ils me l'échangent parce qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà, donc faut qu'on aille à Gémeaux, faut qu'on aille à Jiffy et je sais plus quoi. Je sais qu'on a autre chose à faire. Bref, je pense que cet après-midi, ça va être un peu les magasins. Je crois qu'il faut qu'on repasse à Action. Pour aller chercher d'autres torchons. Je sais plus. Bref, je verrai avec Mathieu. Mais je pense que cet après-midi, ça va être plutôt, plutôt magasin, balade, etc. 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 Voilà. Mais avant toute chose, il faut quand même que je fasse mon ménage. Parce que, voilà. Mon lit n'est toujours pas fait. La spine n'est toujours pas passée. Rien n'est fait, quoi. Et il est 11h. Tout va bien. Allez, je me mets au boulot. Et on se retrouve après. Ok. Franchement, ce matin, j'ai carrément du mal à me réveiller. Mais je crois franchement qu'il n'y a pas que moi qui a du mal à me réveiller. Là, je vous ai fait la petite séquence là de début de vlog. Après, j'ai fait ma story Insta. J'ai mis ma musique en route. Et là, je me tourne pour me lever pour faire mon lit. Regardez ce que je vois. Ça va? Il sait qu'il n'a pas le droit d'être là en plus, ce chien. Dis, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Et encore là, il est ici. Hein. Il y a 2 secondes, il était couché là dans la couette juste ici. Et monsieur dormait tranquillement dans mon lit. T'as pas le droit d'être dans mon lit. Allez-vous! Alors, définitivement, heureusement qu'on n'a pas été au lac parce que là, il pleut. Je sais pas, on a dû le sentir. Bref. Il est 13h, du coup on est tous douchés, coiffés, etc. Ça se voit, je suis un peu plus réveillée que ce matin. Le ménage c'est fait, le linge c'est fait, on est tranquille. Du coup là on va passer à table et cet après-midi, comme je l'ai dit, on fait des magasins du coup. Ouais. On fait Gémeaux pour les maillots de bain. Il faut qu'on regarde aussi pour 2-3 fringues pour Raphaël parce que là j'ai rangé son armoire. Parce que Raphaël, si tu passes par là, ton armoire, c'était loin d'être ça. Donc ta belle-mère chérie est passée par ici. Donc du coup j'ai rangé et en même temps que j'ai rangé, j'ai vu qu'il lui manquait 2-3 trucs pour les vacances. Donc du coup je crois, si je ne me trompe pas, que c'est les soldes. Oui, il me semble. Donc du coup on va aller en profiter pour aller y chercher quelques shorts, des débardeurs et tout ça. Je connais à peu près les goûts de Raphaël et je connais sa taille. Donc normalement je devrais pas trop me tromper. Je me suis pas trompée pour les affaires de Roman. Donc je devrais pas me tromper pour celle de Raphaël. Et est-ce qu'on regarde pour la nappe cet après-midi ou on attend un peu? On verra, je sais pas. Ok, on verra parce qu'en fait on a notre nappe de table à manger qui est trouée, qui est déchirée au bout. Mais en fait, je voudrais pas l'acheter. Je voudrais la découper pour mettre sur l'autre table pour le camping parce qu'on n'en a pas. Et de toute façon, comme il faut qu'on change celle-là, plutôt que de l'acheter, si on peut en récupérer un morceau pour mettre sur la table du camping, ça serait parfait. Donc on verra ça cet après-midi, voilà. Mais en attendant, on va manger. Il est 14h les amis. Comme tous les week-ends, ça passe toujours trop vite, voilà. Je suis contente, j'ai reçu le colis que j'attendais. Bon, ce matin, on a déjà reçu une partie, puisque Sarah, elle a reçu sa grosse boîte à élastique. Regardez, t'as de quoi faire là, hein, pour faire des bracelets pendant les vacances, ça va être cool. Et du coup, moi, j'ai reçu ce que j'attendais aussi, c'est-à-dire, je vais vous montrer la boîte, parce que si je vous montre comme ça, vous n'allez pas voir, enfin, vous n'allez pas... Regardez, j'ai reçu du slime. Ça, c'est pour mes vidéos ASMR, pour tous ceux qui aiment le slime. Enfin, on va pouvoir refaire du slime. Ouais. Ça, c'est trop cool. Et en plus, dedans, je pourrais mettre plusieurs petites choses. Ça va être trop, trop bien. Oui, Sarah, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Donc là, je regarde un petit peu la texture. Regardez, ça va être trop bien. On va pouvoir faire des bonnes vidéos slime. Ça, c'est cool. Donc, je regarde ça. Et puis après, on va faire les magasins. Je suis trop contente d'avoir reçu ça. Le slime, ça fait un moment que je l'attendais, enfin que j'attendais de pouvoir le commander.
Je vais pouvoir faire ce que je veux. En plus, il y a plein de trucs pour faire différents slimes. Et ça, c'est cool. Du coup, on va faire ça tout à l'heure avec Sarah, les préparer pour pouvoir avoir différents slimes pour les vidéos ASMR. Voilà. Donc, on fera ça après. Là, on prépare tout le monde. Enfin, on met les chaussures. Du coup, Mathieu, il m'a dit que là, on allait à Gémeaux pour voir le maillot de bain, le bas de Romane et le maillot de bain entier de Sarah. Et les affaires de Raphaël, on les fera dans la semaine. Parce que comme la semaine va être très longue pour moi, vu que j'attends Nani, Mathieu veut nous occuper un maximum pour occuper nos journées. Donc il préfère faire ça la semaine prochaine. Donc on y ira la semaine prochaine. Voilà. En attendant, comme ça, j'aurai le temps d'avoir Raphaël au téléphone et de lui demander un petit peu ce qu'elle souhaite en couleur, etc. Comme ça, ça sera fait. Et puis voilà. Est-ce que tu passes à Jiffy aussi pour échanger la boue? Ouais. Ah, le truc là anti-stress. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Comme ça après on rentre et Mathieu m'a dit que je pourrais faire aussi mes, bah oui, mes vidéos parce que du coup je vais en tourner deux aujourd'hui. Ouais, ouais, sachant qu'il est déjà 14h. Ouais, voilà. C'est bon ça, tu vois. Et Roxane va probablement dormir parce qu'elle est réveillée depuis quelle heure ce matin? 8h. Même peut-être avant. Peut-être même avant, moi je disais 7h15, ouais, un truc ouais. Comme ça. Mmh. Donc ça fait un petit moment qu'elle est réveillée, ouais. Donc je pense qu'elle va vouloir dormir. Donc on va aller faire vite ce qu'on a besoin de faire là et après on rentre. Un jour, on n'aura plus de pluie. Hein. Mais plus de pluie. Franchement, je ne sais pas où il était cette année, mais il est bien caché. Je crois qu'il est confiné. Il a peur du coronavirus, non? Peut-être. Franchement, ça me désespère. Oh, j'en ai trop marre. Bon, après, j'ai regardé un peu les prévisions du mois de juillet, parce que j'aime bien regarder les prévisions de l'été, quoi. Et il disait que la première quinzaine de juillet, ça allait être plutôt très instable, comme là. Et normalement, la deuxième quinzaine de juillet devrait être plus chaude, vu qu'il y a les grosses canicules du côté de l'Amérique, ou je sais pas quoi, là. C'est ouais, là-haut qu'ils ont chaud, là. Ouais, ouais. Apparemment, nous, ça arriverait après. Alors, de là à avoir une canicule, je ne sais pas. Mais au moins, pas de la pluie, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, ce serait bien. Tu vois pas, on est le 3 juillet, on a encore les vestes. En ouais. temps normal, on est en débardeur et on dit « Oh, ma chaud !» Et là, non. Ouais, pas là. Avant, oui. Puis ça, c'était avant. Ouais, c'est ça. Allez, on va faire l'essence, là, du coup, ouais, c'est ça? Il faut que j'y fasse un petit brin d'essence. Petit brin d'essence et puis après, direction. Gémeaux, si je trouve. Sinon, j'irai à Kiabu, mais je pense qu'à Gémeaux, je devrais trouver... Oui, je pense aussi. Ouais, je pense. Tu sais, pendant que tu étais parti à Jiffy, oui. Et bah, il a plu sur ma jambe. Ah bon? Ah oui, parce que t'as pas fermé la fenêtre. Là, c'est pas ma fenêtre. Moi, la mienne, elle est fermée. Vous avez vu comment il est? Il s'en fiche que je me sois mouillée pendant que tu t'en vas dans le magasin. Moi, j'étais au sec, tu sais. Ah, il y a le truc qui est reparti derrière. C'est bon, t'as réussi, ma poule? Du coup, on a. Enfin, Mathieu a déjà été à Jiffy, qui est juste là, voilà. Il y a été tout seul, puisque Roxane s'est endormie dans la voiture et que c'était juste pour faire l'échange de ça. Voilà, parce qu'en fait j'avais besoin de ça, toujours pour mes vidéos ASMR. Sauf qu'on en a acheté une jeudi. Jeudi, ouais. Jeudi, et en fait j'ai fait comme ça. Ça se trouve, ça va refaire la même en direct, quoi. J'arrive même non, pas. Non, ça a pas l'air. J'arrive même pas celle-là. Ouais, tu vois, c'est la différence, je pense que celle-là est plus dure. Game. Ouais. Mais je fais comment? C'est censé sortir normalement. Ouais, mais moi, avec moi, ça sort, hein. Je l'ai fait dans le magasin. Ah, voilà. Bon bref, j'ai fait ça jeudi du coup et en fait ça fait elle a littéralement fissuré tout ouais. là et toutes les bidots sont sorties quoi. Il y avait encore l'étiquette sur l'autre donc du coup Mathieu il y a été là tout seul juste faire demander si c'était possible de l'échanger parce que bah à 4€ cette petite chose autant vous dire qu'on n'était pas vraiment content. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais ils ont été gentils, nous les ouais. nous l'ont échangé et voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, direction chercher les maillots de bain parce ouais. que il y a tellement de canicules. C'est ça, il fait tellement un peu. Ah, on a tellement envie d'aller dans l'eau hein, mmh. que faut qu'on aille chercher un maillot de bain tout pour à Sarah. Fait, tout à fait. Bah, tu vois, t'étais dans l'eau alors, du coup, j'ai pris de l'avance. Ah, ah, ah. T'es vraiment pas drôle des fois. Bon, allez, Gémeaux. Hey. Bon, tu choisis? Attends, on a là. Regarde le noir là, il est joli aussi. Oui, c'est peut-être un peu... C'est du grand, ça. C'est du 16 ou 14. Tu veux une pièce ou un deux pièces, déjà? Deux pièces. Deux pièces. Bah, faut regarder, là, ma peau.
en 8 ans. Tu vois. Ça, c'est du 8 ans. T'aimes bien celui-là ? Par là-dessus, papa ? Comme dirait Sarah, il pleut mais il fait chaud. On est sorti de Gémeaux là, qui est juste derrière. Il y avait la clim dedans. Alors, et on est rentré, on s'est dit ouh, il fait froid. Mais là, on ressort, on se dit oh, il fait chaud alors qu'il pleut. C'est trop bizarre. Bref, du coup, ça y est, Sarah a choisi son petit maillot, celui-là avec les citrons là, comme vous avez vu dans le magasin. Et du coup, j'ai pris un bas comme ça, un peu tropical, puisque je vous l'avais dit, je sais plus d'ailleurs si je vous l'avais dit. Mais Romane, quand j'ai fait son armoire et tout, qu'elle avait ramené le linge de chez sa mère, elle m'a ramené un super beau maillot, mais que le haut, noir, voilà. Et du coup, fallait un bas, donc j'ai pris celui-là. Je me suis dit que ça irait très bien avec, donc on va voir ça à la maison. Mais celui-là il était sympa, en plus il était à moins 50, il était à 4,99€ moins 50, donc moi ça me va. Puis du coup avec Mathieu on a acheté un petit coup d'œil en même temps pour Raphaël, il y a plein de trucs sympas à moins 50 et tout, donc je devrais trouver mon petit bonheur. Tout à fait. Pour son petit bonheur. Oh, c'est pour beau. Pour son bien-être en tout cas. Oh, c'est rien beau ce que je dis. Son bien-être. Ouais. Dans ma poche. C'est dans la poche à papa. Oui, mais il faut que papa il la nettoie parce qu'elle est tombée. C'est ça. Donc bon, du coup, voilà, je serai tranquille. Voilà, je sais ce que j'ai à peu près vu dans le Gémeaux. Et on ira la semaine prochaine. Cette semaine, ouais. Non, la semaine prochaine. Oui, on est samedi, c'est la semaine prochaine. Du coup, on rentre. Ouais. On rentre et puis on va préparer les slimes avec Sarah. Qu'est-ce que t'en penses? Il est en course. Allez, c'est parti. Je savais où il était. Il était rangé. Elle n'est pas excitée, elle. Voilà, on est rentré. Donc, on va passer à la préparation du slime. Par contre, on les fait pas tous. Hein. Ouais, on en fait. Bah, toi, t'en fais un et moi, j'en fais deux. Ouais. Ok, ça te va? Le allez, mien, on va faire joujou. Moi, je me le fais pour moi et toi, tu fais deux pour toi. Oui. Et les autres, ils sont pour toi. Aussi. Oui, on verra. D'accord. Oui. Déjà, un, c'est bien. Oui. Parce que normalement, c'est pour mes vidéos. Hein. Oui. Ouais. Les slimes sont prêts, ça c'est cool. Je suis en train de chercher mon téléphone. Bref, là je vais faire ma première vidéo ASMR. J'aimerais bien en tourner deux aujourd'hui, donc je vais essayer d'en faire deux. Là je vais faire la première, pendant ce temps là Mathieu va donner le goûter aux filles, comme ça ils font pas trop de bruit. Parce que c'est bien l'ASMR, mais je suis un peu chiante avec ça parce que mon micro perçoit tous les bruits et donc le moindre bruit, même les pattes des chiens des fois je les entends. Donc du coup on évite qu'ils bougent trop pendant 30 minutes quoi. Donc là 30 minutes de goûter c'est très bien, c'est à peu près le temps qu'elles ont besoin. Donc je vais en profiter, voilà. Donc une fois que j'ai trouvé mon téléphone, je me mets à ma vidéo. Première vidéo ASMR tournée. Ouais, je vous ai fait une vidéo ASMR où je réponds à vos questions, où je me confie un peu hein, aussi clairement, tout en mangeant mon goûter. J'ai bien aimé. Franchement, ça m'a éclaté de faire ça. Du coup, là, je vais aller marcher un peu. Enfin, marcher un peu. On va dégourdir les jambes dans la maison parce qu'en fait, je suis à genoux quand je vous tourne une vidéo ASMR. Du coup, j'ai les genoux en vrac. Donc ça, et puis après, puis comme ça les filles peuvent faire un peu de bruit, parce que là les pauvres, on a l'impression que je les ai muselées. Là, je vais les laisser faire un peu de bruit, puis après je tournerai l'autre vidéo ASMR, comme ça je serai tranquille. Deuxième vidéo tournée, je suis trop contente, en plus ma batterie clignote, je suis dans le caca. Ah!
allez. Encore 2 vidéos à tourner. Bon, pas aujourd'hui, mais bon. J'en ai 4, il m'en faut 6. Donc, il m'en reste encore 2. C'est pas mal. Allez, je range tout mon petit bazar. Et puis, bah après, c'est montage de vidéos, quoi. Comme ça, je serai tranquille, encore une fois. Allez, au montage. Oh, il s'en est passé des choses, les amis. Il s'en est passé, moi, je vous le dis. Il est... Quelle heure, tu m'as dit? 19h30, les amis. Du coup, mes deux vidéos ASMR sont tournées. Il y en a une déjà de montée, je crois. Oui, oui, tout à fait. Il y en a une de montée, donc on est tranquille. Il en restera une encore à monter. Pendant que Mathieu a monté la vidéo, moi, j'ai commencé un petit peu à aménager pour la venue de Nani la semaine prochaine. Parce que bah, il faut coucher tout le monde à la maison, voilà. Donc du coup, Nani va dormir dans le coin de Raphaël. Raphaël dormira dans le lit superposé avec Sarah, puisque son lit là fait superposer. On va le mettre dans l'autre sens et en fait, Raphaël dormira en dessous. Donc pour l'instant, ça c'est pas encore fait, on fera ça dans la semaine. Mais j'ai déjà mis son bureau à côté de celui-là de Sarah. Comme ça, elle a toujours son bureau à dispo, voilà. Et pour l'instant, j'ai préparé aussi son lit pour elle et Ilan, enfin Tintin. Donc, qui seront juste là. Ils seront très bien installés et c'est parfait. J'ai même libéré un tiroir pour qu'elle puisse mettre des habits. Donc, comme ça, ça c'est fait. Et on s'est fait un petit moment détente. On a joué au nain jaune parce qu'en fait, ma soeur Nani voulait absolument que je cherche les règles du nain jaune parce qu'elle voulait absolument y jouer, mais elle se rappelait plus comment on jouait. Donc, j'ai cherché les règles. Je les ai trouvées. Donc, du coup, on a fait un petit test avec Mathieu et Sarah. Et ma foi, c'est plutôt sympa comme jeu. Merci Nani, on aime bien ce jeu. Donc je pense que pendant les vacances, on va jouer au nain jaune, au nain jaune, au nain jaune. Voilà. Donc du coup, on a joué à ça. On y rejouera tout à l'heure. Mais là, il faut préparer à manger. On est censé manger barbecue ce soir. Ça va être mignon vu qu'il fait pas très beau. Mais on va se débrouiller. Voilà. Et du coup, en faisant aussi le lit et tout ça, Mathieu m'a arraché un ongle. Mais en fait, on s'est couché sur le lit de Nani et de Tintin pour voir s'ils allaient avoir assez de place tous les deux. Et en fait, Mathieu, au moment où il s'est relevé, il a posé sa main. Mais mon ongle s'est retourné, voilà, donc du coup j'ai perdu mon ongle, j'ai trop mal, donc je le remettrai que demain, pour le coup, voilà, pour ça que je vous dis qu'il s'est passé plein de choses. Bref, on va manger un petit peu tout ça, préparer à manger, et puis manger, puis après on jouera au nain jaune, voilà. Bon, il pleut plus, c'est déjà ça, on peut faire le barbecue. C'est déjà pas mal. Et le pire c'est qu'il fait pas froid parce qu'on est bras nus dehors. Enfin, il y a des moments où il y a des petits courants d'air frais, oui, quand même. Oui, mais ça va, franchement, ça va. On a eu pire en Normandie à l'été. On s'est déjà vu en Normandie avec les polaires. Hein. Oui. Donc, bah là, ça va. Là, c'est un temps d'été. On va dire qu'il y aurait un peu de soleil, ce serait une température d'été en Normandie. Oui, franchement, voilà. Du coup, je voulais vous montrer un petit truc. Regardez nos belles fraises. Elles ont l'air trop bonnes. Il y en a une là, il y en a 3 là, et il y en a une derrière. Et du coup, le chef, il a dit qu'on pourrait en manger une ce soir. Oui. Trop cool. Bon, on a mangé. Du coup, on a réussi à manger notre barbecue. C'est pas mal. Voilà. Du coup, on va manger nos petites fraises. On goûte? Allez, vas-y, prends-en une. Au pire, on coupera celle-là en deux. Comme ça, on va mettre 3 chacun. Non, papa, il va peut-être en goûter une quand même. Il dit que non, mais... Bah, prends-en une déjà. Celle-là. La plus mûre, quoi. Voyons voir. Celle-là, elle est un peu abîmée, donc on va la couper après. Allez, je prends celle-là. Goûtons. Elles sont bonnes? Ah, trop bonnes. Et un peu d'eau dans l'assiette en plus. Là. Voyons voir. Ah ouais. Ça n'a rien à voir quoi. Elles sont archi bonnes. Bien juteuses et tout. Elles sont délicieuses. On a réussi nos fraises. Hein, malgré qu'on n'a pas de soleil. Ouais. Franchement, elles sont très bonnes. Tu coupes le petit bout. Bon, du coup, je sais pas ce que j'ai à ma peau, mais c'est de pire en pire. Je sais pas ce que j'ai là, mais bon. Bref, passons.
Du coup, on a décidé que ce soir, ça serait jeu de société. Donc là, on va refaire quelques petites parties de nain jaune. Voilà, parce que la carte, elle est collée sur la table. Parce que Sarah, elle aime bien et que nous aussi, du coup, on va faire ça. J'ai mon écran qui est tout dégoûtant. Bref. Petite partie de nain jaune et puis après on apprendra à Sarah à jouer au Yams parce qu'en fait elle a eu Raphaël cet après-midi au téléphone qui lui a dit qu'elle avait joué au Yams avec sa mamie et donc du coup Sarah voudrait bien savoir jouer au Yams pour pouvoir jouer avec ses sœurs. Voilà, donc elle est largement en âge de comprendre et de pouvoir jouer au Yams, donc on va y apprendre ça. Voilà, donc ce sera jeu de société et ça c'est cool. Non, c'est Sarah qui a gagné la première partie du nain jaune. Ouais. Bon, c'est un nain jaune particulier parce qu'en fait, on n'a pas le plateau ni les jetons. Du coup, on a créé un plateau et on a pris des jetons de poker qui reviennent au même hein, au final. Voilà. Et puis, on se fait des petites parties comme ça. Donc là, on a redistribué tous nos jetons. Et puis, go, on est reparti. Ouais. Est-ce qu'on va encore se prendre la raclée? Parce que jusque-là, on n'arrive pas à gagner une partie. Hein. Ouais. Sarah, elle les gagne toutes. Truc de dingue. Pourtant, on la laisse pas gagner en plus. Allez, petit Yams maintenant. On a déjà fait une partie qui est juste là. Et c'est moi la grande gagnante. Ouais, tout ça pour dire que... Et au nain jaune aussi, c'est moi qui ai gagné, hein, les gars. Oh. Non, non, on a gagné chacun une partie. Oui, mais j'ai gagné la dernière où j'ai tout raflé. D'accord, hein. D'accord. Je suis trop forte. Alors. Tu gagnes quoi là-bas, là? Les 6? Mais c'est tout, c'est okay. Ça. Là. Bon, bah, dans les 6, hein. Bah voilà, on a fait notre petite soirée jeu de société. Ouais. Bon, le premier Yams, c'est moi qui l'a gagné, première partie. Mmh. Deuxième partie, c'est Sarah. Ouais. Et puis là, il est déjà 11h moins le quart, donc du coup, pour les jeux de société, ça va être fini, parce qu'il faut encore que je monte le vlog. Et Mathieu, lui, va monter la deuxième vidéo ASMR. Ouais. Et je crois, les amis, on va être dans le caca. Parce qu'en fait, Roxane s'est endormie sur le canapé, il devait être 9h moins le quart. Ouais. Elle dort toujours, mais le problème c'est qu'elle n'a pas sa couche pour dormir, elle n'est pas en pyjama et elle n'est pas dans son lit. Faut faire tout ça sans la réveiller? J'y crois moyen. On verra bien, on va essayer et puis bah, on va aller au boulot aussi quoi, parce qu'il faut bien. Aller au turban. Ouais, et puis demain je sais toujours pas ce qu'on fait, on a regardé la météo, demain il fait pas mauvais, enfin, il fait pas chaud parce qu'il fait 22. Non, il fait pas chaud. Mais il n'est pas censé pleuvoir, donc... Ah si, on a dit, on faisait peut-être les poussières de la caravane. Ouais, je pense qu'on fera ça, effectivement. Ranger un peu dedans et puis... un peu de vélo pour Sarah, si on a le temps, à voir. Parce qu'à mon avis, la caravane, ça nous prend pas mal de temps, ouais. Déjà. On verra bien. Allez, au montage de vidéo. Ouais. C'est parti. J'ai gagné. C'est moi qui ai fini en premier. J'ai fini de monter le vlog. Alors que toi, t'es toujours en train de monter la vidéo ASMR. Mais bon, de toute façon, c'est toi qui les as tournés, je peux bien faire ça. Parce que tu m'aides un peu. Ah oui, t'as vu, on voit encore mon crâne d'œuf. Non mais est-ce que t'as vu mon bibi là? Là? Oui, j'ai vu. C'est quoi ça? Un bouton. Non mais l'autre, il s'est installé là. Bon, bref. Tu sais, est-ce que t'as eu l'impression aujourd'hui que j'avais beaucoup la caméra à la main? Bah normal, comme d'hab, je dirais là, une vingtaine de minutes. Ah non, on est à presque 30 minutes. Ah ouais? Écoute... Plus ça va, plus je rallonge. Hein. Bah, c'est que tu fais des choses intéressantes, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Mais pourtant, on n'a rien fait de particulier aujourd'hui. Hein. Je pensais qu'on n'avait pas vlogué parce que justement, on n'a rien fait d'extraordinaire, quoi. En fait, j'ai pas arrêté de vloguer. Mais oui, mais rien que le fait que tu sois sur le vlog, c'est extraordinaire. Tu es une femme extraordinaire. Comment il faillote, le gars. Bref, du coup, tout le monde est au dodo. Je suis sûre que Sarah, elle dort déjà. Oui. Roxane, on a réussi à la mettre dans son lit, à lui mettre la couche. Mmh. Bon, on l'a juste pas mis de pantalon, de pyjama. Ouais. Elle est restée en t-shirt et en couche. Bon, ça, il fait pas froid dans la maison, donc elle est juste en t-shirt et en couche. Ma foi, touchons du bois et de la peau de singe. Mmh. Voilà. Mais pour l'instant, elle est toujours en train de dormir. Bon, ça veut dire que demain, il n'y aura pas de grasse mat. Pas grave. Mais c'est la vie. En même temps, ce matin, on s'est pas levé tard non plus. Donc, tôt. Mmh. On s'est pas levé tard, mais on s'est pas levé tôt. Non, je me suis levé, il était 9h. Bah, c'est une grasse mat pour toi. C'était correct, moi ça me va. Pour toi, 9h, c'est grasse mat. Donc du coup, pour l'instant, croisons les doigts, elle dort. Voilà. Du coup, bah, nous, on va clôturer ce vlog, parce que bah, il faut que je finisse de ça. Et puis, il faut que Mathieu finisse sa petite vidéo ASMR FAQ, celle spéciale slime, elle y est faite.
Mais là, c'est la FAQ. Donc, elle est faite, elle est importée, la bonne date, tout va bien. Donc Mathieu est en train d'écouter tout ce que j'ai dit dans la FAQ pour valider tout ce que j'ai dit. Oui, tout est validé de toute façon. Enfin, tout. Du moins, tout ce qui concerne les filles directement. Parce qu'après les autres, tu es aussi à même de répondre que moi. Ah oui, mais Sarah et Roxane, je dis ce voilà, que je veux. Exactement. Voilà, c'est moi, c'est voilà. Ma caméra, c'est mes enfants. Voilà, ils vivent avec moi tout le temps. Alors voilà. Que les jumelles, tu as mon aval. Enfin, les jumelles et Gabriel, en l'occurrence, tu as mon aval quand il y a des... Bah là, il y a eu des questions à propos voilà. Des filles, donc évidemment voilà. J'ai répondu voilà. Comme je pouvais. Tu m'as demandé mon aval que j'ai dit à Mathieu voilà. Écoute ce que j'ai dit et tu me diras ce que t'en penses. Tout à fait. Voilà. Donc c'est ce qu'il fait. C'est ce que je fais, exactement. Voilà. Voilà. Bon, on va arrêter là hein, parce que je crois que sinon ça peut durer un moment. Ah ouais, ça peut durer un moment, ouais. Bref, c'est parce que j'étais en train de penser en même temps. Passons. Du coup, on va se retrouver demain pour un nouveau vlog, le vlog du dimanche, où je ne sais toujours pas ce qu'on va faire. Mais si, c'est on va faire les poussières de la caravane, on a dit. Oui, mais j'ai pas envie. Mais ça, je sais bien. J'ai envie d'aller me promener. Oui, mais ça va pas être possible, hein, parce que dans 15 jours, on s'en va. Non, mais attends, il y a encore la semaine prochaine, et il y a encore la semaine de transition entre le sud et la Normandie, qu'on est à la maison, alors on a le temps. Puis ça se trouve, je vais faire les poussières là, et puis quand je vais revenir du sud, il y aura plein de poussières, il faudra que je recommence. Alors, on verra demain. Après, s'il fait beau, je crois que j'ai vu des brocantes. Enfin, s'il fait pas trop mauvais, je crois que j'ai vu des brocantes. Il me semble. À vérifier et à confirmer, mais il me semble que j'ai vu des brocantes. On va voir ça demain. Alors. Ouais, on se donne rendez-vous demain, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est toujours pas fait. Et puis voilà. Ouais, c'est ce que j'ai à dire. Tout à fait. Voilà. Allez, à demain, les amis. Ciao, ciao.